Yuwon, vous ai cherché partout dans cette étrange cité. Le grand maître Kulmine demande... Grand maître Kulmine, il s'appelle Kulmine le maître. Putain. Ou alors Kumine, mais c'est encore pire. Le grand maître Kulmine, on va appeler Kumine, hein, j'aime bien. Le grand maître Kumine demande à tous les moines supérieurs de rentrer au pic de la sérénité dans les plus brefs délais. Vous y compris, bien entendu. Je parle d'une semaine de ration de bière que cette histoire a un rapport avec l'attaque du rivage brisé dont tout le monde parle. Non, elle était pas amoureuse de Arthas, Variant. Elle est toujours amoureuse d'ailleurs. Et je crois qu'ils sont même ensemble, officiellement, avec Kalégos. Bon, par contre, faut aimer le dragon quand même. Hein. Parce que, certes, il a une forme humaine, mais bon. Imaginons, il perd le contrôle pendant. Enfin voilà, j'extrapole beaucoup. Mais non, elle était pas avec Variant pour le coup. Ils ont jamais eu de relation comme ça. Variant. C'est ça, elle fait réceptionniste dans le temple de Gul'dan. Alors. Grand maître Kumine. Ravi de vous revoir. Maintenant que nous sommes au complet, passons aux choses sérieuses. Comme vous le savez tous, notre défaite sur le rivage brisé. C'est ça, avec tes lunettes. À chaque fois, fait. Le sang de nos vaillants héros nous a infligé un coup terrible. Elles sont classées en armure. La légion ardente représente une terrible menace. Nous devons trouver un moyen de mettre fin à cette attaque avant que tout ce qui nous est cher ne soit. Oula! Par le serpent de Jade! Qu'est-ce que c'était que ça? Vite! Qu'est-ce qui se passe? Grand maître Kulmine! Grand maître Kulmine! Non, elle va pas le tuer comme devant nous. Non, mais je la vois venir littéralement. Alors là, excusez-moi, mais on l'a complètement laissé mourir. On l'a vu venir, le mec. Mais il rote pas dessus. Rôter sur les gens n'est pas un combat. On l'a déjà expliqué plein de fois. Allez, vas-y. Reprends-toi tous les dégâts que tu m'infliges. Je n'en veux pas. Maintenant tais-toi. Oh là, oh là. Tout va bien ? Réponds-moi. Ah non, c'est bon, il a envie. Je me suis dit qu'on aurait laissé tuer un innocent quand même. Les démons, ils ont terrassé les étudiants sous les yeux. Mais des niveaux 90 aussi, qu'est-ce que tu fais à cette extension ? Provenance de la caverne de la grue. Non. Je ne me sens pas très bien. Oui, ben repose-toi. Bloquez la porte ouest. J'aimerais éviter d'autres mauvaises surprises. Allons donc voir ce qui se passe là-dedans. J'aime pas mal la voix du mec qui fait la voix du panda. La VO du panda. Oh, par contre, s'ils ont tué les esprits, là j'avoue qu'on est quand même dans le caca. Parce que j'avoue que pour le coup, les grands esprits sont quand même plutôt badass. Hein. Ouais, ça marche, mais bon, ça fait chier. Mais t'es super tanky, toi. Je vous vois. Vous luttez en vain. Mes soldats vont anéantir toute trace de votre ordre. Alors attends, je vais lire son commentaire qui en plus a l'air d'être drôle. Dès que j'en ai fini avec ce gros méchant pas beau. Alors, quel besoin manque de faire avec Gul'dan Express, livraison de démons à domicile.
infâme créature. Tu ne toucheras plus à nos textes. Numéro 9. Elle a un numéro. Je suis hors de portée. Oh là, 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 oh là. Oula, c'est pas ce que j'ai fait. Triple dra... triple tourbillon. Un coup de pied. Oh là, 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 oh là. On va se soigner. Hop. Merci. Les étudiants ont protégé ces parchemins. Alors là, c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu trop nerf le panda moine. Ou alors c'est juste moi qui suis très mauvais. Ça va ? Il a beau être l'un des plus puissants moines que je connaisse, il ne résistera pas éternellement à... Ah, chaîne brune d'orage ! Oh non, ne le faites pas tuer. C'est ça. Bonjour, excusez-moi, mais... Inutile d'insister. Leroy Jenkins. En canalisant mon chi, je devrais pouvoir me faire franchir leur ligne. Vite, prenez ma main. Ok, vas-y. Ouah, tu m'as transformé en boule. Mais par contre, il est où, Shen? Parce que j'ai bien envie d'aller aider Shen quand même, parce que Shen brune d'orage, par contre, c'est un de mes personnages aussi que j'adore. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Par contre, si tu chaînes brune d'orage, par contre, je pète un câble. J'annonce tout de suite, je pète un câble. Chaîne brune d'orage, personne ne le tue. Ouais, c'est vrai que ça a été nerf le monk là, par contre. J'avoue que c'est un peu abusé. C'est vrai qu'il avait besoin d'un nerf, mais à ce point-là... De l'autre côté des ponts. Que le serpent de Jade vous suive. Allez-y, venez. Que je vous montre comment est-ce qu'on se bat. Quand on est un moine. Oh là, 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 oh là. Par contre, j'adore ce coup-là à chaque fois, quoi. Il fout plein de patates comme ça. C'est super marrant. Hop. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Hop. C'est ça. Criez les enfants, je me charge de ce monstre. Oh, y a Lily. Salut, on va bien se passer, on peut chienne. Ouais, pas sûr que tout va bien se passer malheureusement, Rapid. J'essaie de faire ce que je peux pour aider ton oncle, mais bon, c'est plus celui qui va m'aider normalement. Vu la putain de légende que c'est. Vite. Mon autre truc de soin, il est... Ah, j'en ai plus. Hop. Tiens, reprends-toi les dégâts que tu m'infliges. Et je vais me soigner en attendant. Hop, je me soigne. Je me soigne. Roulade. Je me soigne. On se resépare. Hop, ça, qui va me soigner. Ah merde, de près. C'est vrai qu'elle aurait pu nous TP jusqu'à là-bas, la panda. Je recommence d'ici. C'est pas sérieux. Ou alors c'est de l'autre côté. Non, je recommence d'ici. Aïe. Aïe. Ah non, c'est...
Attends, on a fait un tour complet pour arriver ici. Ils se foutent de nous quand même, hein. Moi, je suis d'avis qu'ils sont du côté de la Légion Ardente et que... Voilà, ils s'amusent avec nous. Je vois pas d'autre explication. C'est bon, il a pas gagné toute sa vie, donc... le pied du dragon de Jade. Et là, on arrive... Hop. Merci pour le coup de main. Cette fichue créature était sacrément coriace. Bon, c'est bon, ils ont pas tué. Les enfants. Venez les enfants, nous devons rejoindre le temple. Je vais avoir besoin de votre aide. Hop. De créatures maléfiques. C'est ça. La chaîne qui a... sera dévorée par les flammes. Infernal en approche. Attention. Comment ça, où? Ah merde. Je m'en occupe. Fuis avec les enfants. Puisqu'apparemment tu veux pas te battre. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Oh là 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 là. Non, ça va, on garde quand même un petit burst. Pas énorme, mais... Comme je suis soulagé de vous voir. Ravi de voir que les enfants et vous êtes sains et saufs. Par chance, nous avons reçu de l'aide. Alors c'est Culmine, hein. Mais moi je vais l'appeler toujours Culmine. Bon combat. Nous ne sommes pas encore dans la terre. Je n'ai pas de cible. Tigre Blanc vous accompagne, mon ami. Quant à vous, restez avec moi pour condamner le monde. Toi, je sens que tu vas mal finir. J'ai peur pour toi, là. T'es sûr de vouloir y aller? T'as l'air de d'être parti pour faire une mauvaise fin. Et j'aime pas ça. Parce que t'as l'air plutôt cool, quand même. Pas que je te connaisse plus que ça, mais quand même. Allez. Jorvinax. Ce démon ne manquera pas d'ouvrir un autre portail. Préparez-vous. C'est ça. Sinon, il peut pas. S'il a pas son tonneau de bière, il peut pas se battre. Oula. C'est le bordel niveau espèce là. Triple coup de pied du soleil levant. Et le truc de la grue, je sais plus. Pierre gangrenée alimente. Non, c'est bon, il est pas mort. Détruisez-la. Oh. Oh non, si elle fait un petit saut avec le coup de pied. Me dis pas que tu vas foncer dans le portail. Tu ne vas pas faire ça. Oh, c'est classe. Un coup de pied. Coup de pied de la grue tournoyante. Oh, c'est classe. Bon, par contre, je suis évanoui. Ah. Bon. Ah, vous avez repris conscience, ça va mieux, j'espère. Vous étiez KO pendant un bon bout de temps. Bienvenue à Senshisu. Je suis navré pour ce qui est arrivé au pic de la sanité. Tous les habitants de Mondori seront heureux de vous accueillir. Les survivants sont en table. Si vous en seriez capable, vous devriez les rejoindre. Donc enfin, on va pouvoir choisir les armes légendaires, les amis. Ah, ça j'avoue que, par contre, les paysages de la Pandarie sont magnifiques. Et je demande comment est-ce qu'on va débloquer les armes. Est-ce qu'on va devoir passer à un entraînement? Franchement, s'ils font passer juste un petit entraînement, vous savez, en mode Shaolin et tout, je suis pour, moi. Je suis pour parce que ça me rappellerait les débuts du moine et c'est sympa quand même, ça. Du calme. Quel plaisir de vous revoir, tout le monde est vivant, Lung. Vous avez bien failli vous perdre dans cette explosion. Heureusement, pour nous, que les vagabonds se promenaient dans les parages. Les gens d'ici ne sont jamais autorisés à résider au temple. Certes, ce n'est pas le pic de la sérénité, mais ils sont bien installés. À la prochaine. Oh!
Non. On va être sur l'île Vagabonde. C'est génial, ça. Accompagner les gens effrayés et annoncer... Attendez, annonce des maîtres. C'est parti. Donc on est sur la tortue géante, pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien l'île Vagabonde, c'est l'île, la tortue géante qui sert d'île pour les pandarènes et sur laquelle ils se déplacent. Ah c'est bon, ils sont tous là, ils ont tous l'air d'être en... Excellent, tout est prêt à l'intérieur, suivez-moi. Avec cette statue qui est magnifique. Par contre, numéro 9, number 9, elle est tellement forte qu'ils lui ont pas donné un vrai nom, ils lui ont donné un numéro. Numéro 9, Gia. Fait limite flipper. À tous les membres et étudiants de nos écoles réunis, merci de nous avoir rejoints. L'attaque contre le pic de la sérénité. Donc je laisse le dialogue, évidemment. La Légion Ardente cherche à abattre notre ordre. Elle va brûler nos foyers, profaner nos temples. Et s'efforcer de briser notre volonté. Piller nos villes, alors, violer nos femmes, tuer nos enfants, ou dans n'importe quel ordre, c'est la même. Sont rachetés à affronter les démons pour nous permettre de fuir. Non. Le grand maître Kulmin est parti rejoindre nos... Oh non, Kulmin est mort, évidemment. Non, pas Kulmin. Pas lui. C'était le meilleur de nous tous. Reviennent à quelqu'un qui a combattu à ses côtés avec courage et vaillance. C'est génial, juste parce que j'ai combattu à ses côtés, je suis devenu grand maître. Force et sagesse. Moine de l'ordre, c'est notre plus grand défi qui s'annonce. Que le message soit clair. Je serai votre nouvelle impératrice. Nous ne laisserons pas envahir sans nous défendre. Lily brune d'orage, ça par contre j'aime bien. La petite Lily brune d'orage. Bon alors. Allez. Donc, Maître Brasseur, Funzuao, compagnon de l'explorateur. Selon d'anciennes légendes, un bâton fut taillé dans l'une des branches du premier arbre de Pandarie. On raconte qu'aucune arme ne peut blesser celui qui le porte. On dit aussi qu'il a été vu pour la dernière fois en possession du roi singe. Nous ferons bien de nous adresser à lui pour commencer nos recherches. Depuis l'aube des temps, ce bâton accompagne des créatures légendaires et des esprits immortels dans leurs grandes œuvres aux quatre coins d'Azeroth. Tis Brume, le bâton du premier empereur Pandaren. Ou le dernier, justement, je sais plus. Il y a fort longtemps, le dernier empereur, voilà, dernier empereur, il y avait une chance sur deux que je me trompe. Shailu utilisa son bâton pour faire disparaître la Pandarie derrière un voile de brume. L'arme demeura ensuite sur la terrasse printanière des générations durant jusqu'à l'invasion de la Légion. Des défenseurs Pandashan se sont précipités pour protéger les lieux, mais n'ont plus donné signe de vie depuis. Nous craignons le pire, le bâton ne doit pas tomber entre les mauvaises mains. Shailun, bâton des brumes, ce que vous cherchez, c'est la force tranquille et imparable d'un fleuve. Cette puissance qui creuse des canyons dans la pierre et dont les courants balaient les guerriers comme en temps de feuilles mortes. Shailun est l'incarnation de ce concept. Et enfin, Marchevent. Les voyageurs qui reviennent sur l'île rapportent une étrange histoire. Ils parlent d'une antique paire de lames qui conférait à leur porteur la puissance des tempêtes. Ces armes restent mystérieuses, mais si les gens disent vrai, nous devrions envisager de partir à la recherche. Quand Imrat brandit ses deux armes pour en éprouver la puissance, une fureur incontrôlable en surgit. Il y eut un grand éclair lumineux suivi d'une bourrasque soudaine, puis le calme revenu. Imrat sentit des armes Arburak et Alared à vibrer de puissance élémentaire. Donc c'est parti pour Alared et à la machin. Comme vous voudrez, grand maître. Ah donc c'est Lily Brune d'Orage qui va nous suivre sur cette mission, en tout cas pour le début, qui va nous lancer dessus. Lily! Le dragon! Donc vas-y Lily. Dis-moi tout ce que tu as à me dire. Mais c'est moi, elle me fait du gringue. Vous faites quoi? Oh, Shen... Ah non, c'est... j'ai cru que c'était Shen qui chantait. Il paraît que tu connais l'histoire à propos d'une paire de lames mystérieuses. Oui, laissez-moi réfléchir. J'en ai entendu parler quand oncle Shen et moi voyageons encore à travers le monde avant de découvrir le chemin de la Pandarie. Une nuit, nous avons dormi à Baie du Butin dans un endroit appelé la Taverne du Loup de Mer. Là-bas, j'ai rencontré une créature gigantesque qui chasse vivait être un Tolvir. On a discuté un bon moment
de son pays natal. Ah, donc on va retourner à Uldum. Donc vas-y. C'est parti. Allons chercher ces lames légendaires. Que vous voyez, vous devez retrouver Lily à Ramaken. Emmenez-moi avec vous. D'accord, papa. C'était quelque chose. Mais il faut que je poursuive mes voyages. C'est le père de Lily. Lily, je t'ai dit que je ne voulais pas que tu repartes seule. Mais elle part avec moi, c'est bon, elle risque rien. Je veillerai sur votre fille. Je savais que tu dirais ça. Mais écoute, j'ai quelqu'un pour veiller sur moi. Et c'est le grand maître des moines. Voilà, tu vois, ça pèse, hein. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je vois que tu ne changeras pas d'avis. Très bien. Va alors. Mais reviens-moi saine et sauve. Ah, t'inquiète pas. T'es ma chaîne qui est bourrée. Ah bon, il est où? Mais non, il est pas là en plus, chaîne. Si? Ah, il est même pas là. Qu'est-ce qu'il fout? Bon, allez. La grue peut m'emmener à Uldum. Vous n'avez qu'à nous suivre avec mon cerf-volant. Ton ami la grue? Qu'est-ce que tu me racontes? Elle est complètement défoncée, cette petite. Mon ami la grue nous montre le chemin. Viens. Mais où est la grue? Allez, avec moi. Shipper, arrête de voler. Shipper, arrête de voler. Non, attends, elle a quand même pas parlé avec le roi qui était abbé du butin. C'est n'importe c'est quoi. C'est trop génial. Pourquoi? Pendant que vous faites le grand tour, j'ai même mes petits songeurs, le roi Faoris accepte de nous aider à condition que nous débarrassions d'un problème. Ok, on se voit plus tard. Ok. Ouais, c'est le chroniqueur. C'est pas un chroniqueur chaud, mais c'est un chroniqueur, ouais. Bienvenue sur ETR, Pandaren. Le petit être m'a dit que vous cherchez des informations sur la légende d'Imrat. Allez. Tempête du désert. Qu'est-ce que ça dit? Vous avez des problèmes de tempête? Je connais bien l'histoire d'Imrat. On raconte qu'il habitait dans la cité d'Amtul. Depuis longtemps, on se vit sous sable du désert. Il y a peu, une étrange tempête s'est formée au-dessus des ruines. De plus, j'ai appris qu'un élémentaire du nom de Nader avait arraché les miens à proximité. À mon avis, c'est tout sauf une coïncidence. Retrouvez ce Nader et tuez-le. Et pensez à fouiller son cadavre. Ça permettrait peut-être à découvrir des indices quant au responsable de tout cela. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Cette zone qui était quand même très jolie, hein. Zone de cataclysme qui était très jolie. Moi j'aimais bien. J'aimais bien. Bon, les niveaux. Les niveaux. Ah non, il y a niveau 100 quand même. J'allais dire niveau 90, me faites pas chier, mais non, il y a des niveaux 100. Salut Nader! Oh seigneur Typhunus! Oh là 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 là. Ah, trompé de bouton. Seigneur Typhunus, Typhunus, j'ai échoué. Essence de tourbillon, qu'est-ce que ça dit? Petite et légère, elle semble pouvoir être emportée par le plus doux des brises. C'est moi ou par contre je vais complètement rouler dessus ou c'est... Oula, j'aime pas trop là les éclairs qui... Qui tombe comme ça à côté de moi, ça fait un peu flipper. J'ai peur, peur. Non, pas les éclairs. Vitesse de déplacement augmentée de 10%. Ah bon. C'est un peu ridicule comme bonus par contre ça. Car attendez, je relis un peu les sorts quand même. On n'a pas grand chose qui nous rende la vie par rapport à avant. Avant, on gagnait la vie avec à peu près toutes les attaques. Oh, une arme magique! Vite, voyons ce qu'elle peut faire. Transforme les anses en un tourbillon magique qui emporte lanceur dans les airs. Faut l'utiliser à l'extérieur. J'aime pas ça, mais bon, on n'a pas le choix. Ah, c'est à dire que... Ah oui, je crois qu'on va voir le nouveau seigneur élémentaire, Typhunus. Mais pourquoi t'es là-dedans? Lily! Qu'as-tu fait? J'ai encore la tête qui tourne. Ah ben moi aussi. Mais que se passe-t-il là-bas? Ohé! Salut! Tiens, Typhunus. Qui es-tu, toi, Typhunus? Immortel dans mon royaume. Mon royaume. Tu sais que j'ai tué ton père. Je sais pas
Et je ne veux pas forcément m'opposer à toi, tu sais. Je veux juste découvrir ce que vous faites ici. Non ? Ça ne vous convient pas ? Ah, par contre, Lily, je ne suis pas contre le fait que tu me soignes. Vois-tu ? Ouais, j'ai l'impression que tu le fais déjà. Donc, excuse-moi, petite, mais... Oh là 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 là. Ouh, ça fait du bien de se défouler. Ces tornades, ça ne va pas du tout. Ouais. Vous voulez voir un tour que m'a appris mon oncle Chen ? Vas-y, montre-moi. Vous ne m'attraperez jamais ! C'est ça ce que t'a appris ton oncle Chen. Faire la toupie. Yann, moi aussi je peux faire la même, hein. Hein, c'est drôle. Petite idiote. L'art d'être moine n'est pas un jeu. Pas mal, hein. Oui, c'est génial en fait. Apprends-moi à faire la même chose. Cette petite est beaucoup trop curieuse. Hop. Il lui a appris à boire la bière. Technique ancestrale de la famille des... Ah d'accord, ok. Ça, il lui a appris la technique ancestrale pour boire la bière pandaren. Tiens, souffle, Unlimited Power, Unlimited Power, il meurt. C'est pas passé loin. Excuse-moi, mais on me donne des éclairs, je suis obligé de les utiliser. J'avoue que c'est quand même bien de la merde, ça. Et j'avoue que en heal, je pue également. C'est vrai, on va chercher des armes prestigieuses qui sont super puissantes et tout. Et qu'est-ce qui nous accompagne ? Un enfant. Alors que ça risque d'être super dangereux et tout. Mais non, on t'envoie avec un enfant. Heureusement, c'est pas qui de. C'est ça, la Lily qui fait moins de, qui est plus jeune que toi, qui est à peine niveau 100 aussi, et bim, des petits coups à 100 qui te soignent du 45% de vie d'un coup. C'est encore ce gros vilain. Et arrête de parler que... Non, remarque, t'es une enfant, donc faut pas te reprocher ça, mais... Pauvre mortel, vous êtes dans mon royaume. Regardez, il a un des points ici. Personne ne viendra vous sauver. Ouais, tu vas voir, j'ai passé quand même. Mais quel moulin à parole vous faites ? Poids. Toute l'étendue de mes pouvoirs. Al bourgeois, al rahenia. C'est ça. Il y a le magasin de bonbons, elle a envie d'y aller. Elle s'est dit, ah, il y a le héros légendaire qui y va, j'y vais. C'est le moment ou jamais. Je suis hors de portée.
c'est ça. Lilith Life. Vous mènera nulle part. Oh, tu parles trop, ferme ta gueule. Lily. Légion. Approchez, serviteurs de la tempête. Défendez votre maître. Ah, ils nous avaient des ascendants. C'est intéressant ça quand même. Tac. Hop. Nincère, réponds à l'appel de ton maître. Non, très bien, vous l'aurez voulu. Et là, elle va le one-shot. À faire, c'est bon, j'en ai marre, one shot. Ce serait classe quand même. Ce serait classe si elle devenait en impératrice de la Pandarie. Bon, en espérant qu'elle devienne un peu moins chiante. Tuez, mais les âmes. Je condamnerai ta misérable essence au tréfonds. Mais j'avoue que ça pourrait être classe si Lily devenait impératrice. Parce qu'elle a fait quand même pas mal de choses. Mais ce serait super rigolo. Hop, tourbilol, retourbilol, double, triple tourbilol. Ces mortels s'accrochent à la vie. Soit, défends. Encore ? Mais il y en a combien ? Ah non, cette fois-ci c'est un dragon. Oh, vache ! Un dragon ! Ouais, et on va devoir le tuer. Oh, et t'as. Ah, je me suis foiré, bon pas grave. Tac. Allez, on claque le super burst. De la vie. J'ai réussi à la voir alors que j'allais presque mourir. Je vois une charge, regarde pour une dernière journée de maths, c'est un pire. C'est ça. Lily qui pose ses balls. Bon! Y'en a marre, vous avez foutu la merde. Je reprends tout en main. Lily, impératrice de Pandarie, avec ses grandes réformes. D'accord, en fait c'est ça qui me rend de la vie et c'est pas Lily. Alors est-ce que j'ai pas un truc qui réduit les dégâts que je prends? Non. Ok, c'est parti, on va monter du dragon. Lily, tu viens ou pas? Alors ça par contre c'est jouissif, on a l'impression que c'est le cri du Tyrannosaure Rex. Elle va pas sauter. Ne saute pas quand même. Je sais que t'es. Ah non, c'est bon, elle a son petit. Allez. Je m'y vends. Vous déchire. Je raconte déjà à mon oncle Jeff que j'ai volé aussi haut avec mon cerf-volant, d'accord? Bien sûr que oui. J'ai foutu des raclés à beaucoup plus impressionnant que ça.
Mais ça va clasher tout le monde par contre, il est impératrice. Peut-être la petite qui va te dire quoi? Tu n'as pas apporté ce que je t'ai demandé? Très bien, tu vas subir le supplice. C'est quoi cette Lily qui respecte rien? Bon allez, passe-moi ça. Point des cieux. J'ai une tête de psychopathe, je souris en même temps que je prends les trucs en mode. Je vais tellement les faire souffrir. Ils vont prendre cher. Lily est impératrice. Oh, il est quand même 20h là. Je vais me coucher maintenant. Allez. Par contre, nouvelle technique. Ok, la technique. Voilà. Ça, on va la mettre. La nouvelle technique qu'on va tester et les apparences qu'on va voir. Et après, YouTube, je vous laisse. Et on va s'attaquer. Bon, je crois qu'on va en faire encore une et après, on va s'arrêter là. Ça va être en plusieurs fois, hein, évidemment. Du coup, nouveau sort, nouveau sort, nouveau sort. Frappe des 80. On va mettre là, parce que j'ai vraiment pas de place. Alors ça demande du chi. Du chi. Vous faites quoi? Quel fabuleux voyage, il faudra qu'on mette ça. Maintenant que vous allez là, mais j'imagine que des tas d'aventures vous attendent. Je serais peut-être bien resté dans le coin quelques temps. C'est bien, c'est parti. Franchement, si je peux choisir comme héroïne de fief, je le fais directement. Lily, Lily best of all. Du coup, ça c'est bon. J'ai plus de quête par contre. Parlez à Maître Culmine. Petit problème. Il est mort. Comment je fais? Oula, pourquoi t'es à poil toi? Donc là évidemment la quête. Alors par contre c'était... C'est un peu mal foutu qu'on n'ait pas le truc qui nous y renvoie. Donc la forge qui est juste là. Augmente les dégâts de frappe du voile noir de 20%. Donc voyons voir les apparences. Donc les points des cieux qui sont quand même jolis comme artefact. Alors voilà, en mode un peu gangréné, en mode furieux, en mode doré, il y a toujours le mode doré. Toucher d'Alakir. Donc là elles sont plus tranchantes quoi. Toujours gangréné, colère, givre. Résolution avec le pic, ça je les aime bien. Là en fureur. En violette, ça leur donne un petit style cristal et là en gangréné. Et héritier. Ah en fait le point en caillou. Donc du coup l'apparence n'était pas sûre. Et donc elle ressemble à ça. Et ça j'avoue que par contre elles sont magnifiques. Oh, elles sont belles. J'aime tellement cette apparence. Donc du coup on va tester notre sort quand même. On va tester notre sort de... Aïe, je me suis pris un mur. Notre sort, donc du coup il faut des mannequins. Oh regardez, il y a tout le monde qui fait sa méditation. Ici est de l'école de la grue. Donc est-ce qu'il y a des mannequins sur lesquels je peux frapper? Non? Pas de mannequins? Pas de mannequins. C'est triste ça quand même. Vous avez forcément des mannequins quelque part. Forcément. Tac tac tac. Bon bah on va retourner à Dalaran en espérant qu'on va trouver des mannequins. Sinon bah tant pis, on verra pas et c'est dommage quand même. C'est triste. Ou alors je frappe des rats et j'essaye sur les rats. Mais c'est risqué parce que le problème c'est que si les gardes ne sont plus là à ce moment là, tout le monde va me sauter dessus et me déchirer. Mais bon. Alors voilà les chasseurs de démons. Alors on va descendre, on va se taper des rats et puis voilà, on va tester le truc. Avec des points tous les ennemis devant vous. Et... En fait, j'ai l'impression que c'est les 1000 points du hacker pareil, mais en plus puissant. Donc, un petit rat, là-bas j'en vois un qu'on va frapper dans la bouche. Petit rat. Rat aveugle. Je mets fin à ta triste vie. Et donc là. Je n'ai pas de cible. Faut une cible. C'est merveilleux. Là-bas, non. Il faut un rat.
Qu'est-ce qu'elle a réussi? Les gars, c'est quand vous voulez. On va pouvoir tester notre technique, vous inquiétez pas. C'est bon, ça a été lancé, on y va. Hop. Oh, les 1000 points du hacker. Et c'est tout? C'est juste une frappe en un coup? Un peu décevant. Hop. Hop. C'est le bordel. Tapez-lui dessus. Unlimited power. Et on l'a eu. Et donc voilà. Donc ouais, c'est un coup qui est assez puissant, quoi, et c'est en un coup. Et ça réduit, donc c'est pas mal, c'est un truc de contrôle, je pense que c'est pareil en PVP pour le coup. Mais en dehors, pas top. Créature. Ensuite, des choses intéressantes. Attendez. Et merde. Merde, mauvaise direction. Non! Je ne veux pas mourir. Si je prends le coffre, ça fait quoi? Je vais essayer, même si je sens que je vais mourir. Si je réussis, franchement, je suis trop content. Oh ben, j'ai réussi. Ah, Cassos! Ouais, MK, 5 kills. Ah non. Aïe! 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 Je crois que j'ai été exécuté. En même temps, il n'y a que les niveaux 110 qui sont en bas. Donc voilà. Pour le moine, c'est bon. Donc maintenant, il vous reste le choix entre le voleur, le prêtre, le druide, le démoniste ou chaman. Donc je vous laisse le choix. Je vous laisse le choix encore une fois. Ah oui, excusez-moi YouTube, c'est la fin pour vous. On se voit pour la suite.